Et bonjour. J'ai trouvé un petit objet. Et celle-là, elle va être belle. Question-réponse. On pose la question dans un commentaire en me disant, mais comment faites-vous pour vous protéger? Doit-on se protéger si je travaille sur quelqu'un? Sur une maladie, sur un bien-être, sur un lieu, sur un harmonisateur. Quand je nettoie un lieu, une pièce, un endroit négatif, est-ce que je dois me protéger? Alors, encore une fois, mon procédé à moi. Chacun fait comme il le sent. À chaque fois que je dois nettoyer un lieu, une pièce, un objet, négatif ou autre, je ne prends rien en moi, je ne fais rien passer par mes énergies à moi, je ne fais rien passer par mon corps. Je demande toujours à purifier, à chasser, je demande, je me connecte à mon canal et vous vous connectez avec votre canal, votre guide, votre personne préférée, votre animal préféré. Je me connecte avec mon canal, je demande les énergies dont j'ai besoin pour nettoyer ou purifier ou harmoniser pour apporter un bien-être. Je prends, je reçois et je donne. Mais je ne prends pas des énergies néfastes en moi pour aller les rejeter. Jamais. Jamais. D'accord? Après que vous vouliez vous protéger, éventuellement pour vous rassurer et de vous créer votre fameuse bulle, un bouclier pour que rien ne rentre, vous pouvez très bien le faire. Là où je vais éventuellement me protéger, c'est si je fais appel, si vous vous amusez à faire appel à une entité, si vous travaillez avec des entités, et que vous demandez à être connecté avec eux, c'est là où il faut faire vraiment attention. Si vous faites appel à une entité, vous faites appel à un défunt et que vous demandez à être connecté avec cette fameuse personne, là, faut se protéger. Et là, vous vous créez un protocole en disant que j'appelle cette personne-là et que personne d'autre n'aura la possibilité de venir communiquer avec moi, personne d'autre, sauf la personne que j'appelle. Et je ne la laisse pas rentrer en moi. Je vais recevoir une communication. Donc les communications, c'est... Bon là, on part sur un autre domaine, mais c'est vos pensées. Mais je ne laisse rien rentrer en moi. En aucune façon. Interdit. OK? Je voulais vous faire aussi profiter de ce lieu, comme je l'ai déjà fait il y a longtemps. J'ai juste envie de partager avec vous ce beau moment, ce lieu, cet instant. Je veux juste partager avec vous tout ce bien-être auquel j'aimerais qu'il vous fasse du bien et qu'il vous apporte la joie, le bonheur, que vous soyez heureux. Pour ceux qui savent sortir, parfait pour eux, tant mieux. Pour ceux qui sont chez eux, pour ceux qui ne peuvent pas bouger, pour ceux qui sont un peu malades actuellement, ou autres, pour tous ceux qui ont les problèmes de la vie, un passage, je vais faire une généralité, même pour ceux qui sentiraient éventuellement, pour une raison ou pour une autre, qui doivent savoir, et pour ceux qui doivent penser qu'ils ne le méritent pas, on ne sait pas. On va faire comme on a déjà fait une autre fois. Vous mesurez votre taux vibratoire maintenant, actuel. Éventuellement, vous coupez la vidéo, mettez-la sur pause. Mesurez votre taux vibratoire, vous le notez. Je vous propose même de mesurer votre biochamp. Ça, c'est bien. Mesurez votre biochamp et vous le faites comme je le dis dans une autre vidéo. Vous l'étalonnez, donc vous étalonnez votre biochamp actuel à 100%. Bien précisément, vous l'étalonnez.
Donc ça, étau-vibratoire. Ensuite, vous remettez la vidéo. Et moi, ce que je souhaite, c'est juste vous envoyer tout ce bonheur, que vous soyez heureux, que tous vos souhaits se réalisent, que votre taux vibratoire monte et dans le bien-être, que vous soyez heureux, bien. Et si vous avez besoin d'une fréquence quelconque, je fais appel à mon canal et qu'elle vous soit transmise généreusement. Que tout cela vous apporte du bien, le sourire, l'envie d'aimer, d'aimer les autres, que vous soyez aimé. Tout va aller pour le mieux. Quand mes baguettes vont s'ouvrir, c'est au moment où je vais commencer à partager avec vous. Et quand elles vont se refermer, c'est quand on aura terminé. D'accord? Je partage avec vous tout ce bonheur. Vous le méritez tous. Voilà, tout ce que j'avais au fond de moi, au fond de mon cœur, je l'ai partagé avec vous. Soyez heureux, soyez toujours dans le positif, mais apportez que de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Pensez à remesurer votre taux vibratoire maintenant. Vous me le faites savoir dans les commentaires, ça sera ma récompense à moi. D'accord? Merci beaucoup, allez, au revoir.